Hey, yo tout le monde, gentil, mais ça te bonne du doigt, la pété. Je sais bien dire, je suis un dit, mais c'est pas grave, c'est pas pour être très pété, mais je m'en fous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je suis un youtubeur, oui, je suis un tout. Alors, je vais faire une dédicace à Céline, parce que Céline, c'est une fille qui s'est abonnée hier en début d'après-midi, je crois, mais ma chaîne YouTube. Donc, je vous dédicace à Céline, pour cette abonnée à ma chaîne YouTube, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Alors, vous êtes 212, hein, maintenant, voilà. Ça me fait plaisir, parce que, bah, vous êtes 212, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, quand j'étais, je vais parler un truc, moi, quand j'étais petit anecdote, on va dire, voilà. T'as tout parlé d'une anecdote? Oh mon dieu, putain, quel dommage, t'as tout parlé d'une anecdote, oulala. Non, en fait, les gens, je vais raconter, en fait, que ce que j'ai regardé quand j'étais gosse, sur M6. En fait, si vous voulez, il y avait un documentaire qui s'appelait Le Pensionnat de Chavagne. Alors, le Pensionnat de Chavagne, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, si vous voulez, c'est des jeunes, c'est 24 adolescents qui sont dans l'année, on va dire, du temps, des années 2000, voilà. Mais le problème, c'est qu'ils vont retourner dans, ils vont tomber dans les années 60. 1960. Ils vont s'habiller comme dans les années 1960. Travailler comme dans les années 1960. Faire les corvées qu'il y a à faire dans les années 1960. Et un truc qui est vraiment dégueulasse que j'ai goûté une fois et j'ai pas aimé. C'est goûter tous les matins, enfin, obligatoire à prendre tous les matins une cuillère d'huile de foie de morue. C'est dégueulasse. J'ai goûté ça, c'est dégueulasse. Une seule fois, j'ai goûté ça, c'est dégueulasse. De l'huile de foie de morue, c'est horrible. C'est de l'huile, en fait, t'as le goût de l'huile, mais t'as aussi le goût du poisson. C'est dégueulasse, mais horrible. Et en fait, ça, c'était, en fait, dans le temps, dans les années 1960, 1930, si vous voulez, c'était pour guérir les enfants de la tuberculose. Oui. Pour les enfants de la tuberculose, c'était aussi pour avoir une bonne santé. Ouais, d'accord. Mais après, faut tout faire pour un, pour, s'il faut tout faire pour une bonne santé, ok, mais voilà, quoi. Quand t'as tout le matin à peine réveillé, non. Alors là, en plus, tu te portes pas les dents et tu sors. Du dentifrice. Tu te portes les dents et tu as un genre de truc, bah, c'est comme du dentifrice, mais sauf que c'est noir. Mais c'est pas du dentifrice, c'est autre chose. Donc voilà. T'as pas un portable? Bah, t'as pas un portable, voilà. Pas de crème épilatoire, pas de ongles, bah, voilà, tu vois. Pas de faux ongles, je veux dire, voilà. Refaire pareil, ça change, hein, voilà. Tu dois avoir les oreilles dégagées parce que les poux, voilà, arrivaient, machin, là. Horrible, horrible, horrible. Et en fait, bah, si vous voulez, les 24 adolescents, bah, sont tombés à là pour avoir le certificat d'études. De brevet d'école, en fait. Si vous voulez, c'est un peu comme un TUV, on va dire. Mais c'est le certificat d'études. Donc voilà. Si vous voulez regarder ça sur YouTube, c'est disponible. Alors, vous avez juste marqué Pensionnat de Chavagne. Avec un super général qui est traité, qui s'appelle Monsieur Navarro, mais ouais, Bernard Navarro, son prénom c'était Bernard Navarro. Et il est vraiment professeur dans une école en plus, dans la vraie vie réelle. Mais il est pas comme ça, il est pas aussi sévère que ça, voilà quoi. Moi j'ai vu ça, j'ai dit c'est cool, comme ça tu peux regarder, il y a tous les épisodes, ils sont tous disponibles sur YouTube et ils sont tous entiers. Et ensuite il vient, bien sûr, de Pensionnat de Sarlat. Alors là par contre c'est Monsieur Navarro, il est pas directeur général de direction, là il est directeur carrément définitif, il est grand directeur du deuxième de Sarlat. En plus, il est très sévère, voilà, donc c'est horrible. Donc voilà. Ouais, personnellement, quand je vois ça, je suis waouh! Incroyable. Mais au moins, y a personne qui se tape, donc ça va, ça. Moi, personne ne se tape. Voilà, quoi. Je sais même pas si dans le temps, t'as le droit de taper sur les élèves. Dans le temps, on nous attend de se taper avec la règle et tout. Après, j'en sais rien, mais t'as ton, c'est plus tiens, heureusement. Heureusement, enfin après je sais pas, mais moi je me suis fait justifier une seule fois par une professeure, juste une seule fois. Excusez-moi madame si vous me regardez mes vidéos, madame Pif a tapé là. J'ai ça madame Pif, ça va madame Pinocchio, parce qu'elle va ronner. Et elle a tapé madame Pif et à un moment elle m'a foutu une claque. Comme ça. J'ai dit à ma mère, c'est plein. Elle a dit d'où vous mettez j'ai fait à mon fils en fait. D'où vous êtes pas comme ça mon gif à mon fils? Vous êtes baisé ou quoi? Non non non. On tape pas mon fils, non, c'est mort. Attends, oh. Bon, je me suis fait mal parce que c'était une petite tête, mais elle m'a fait une grande tête, hein. Elle m'a foutu une grande, enfin, elle m'a pas foutu une petite tête, hein. Une grande tête, mais voilà, ça fait mal. Donc, bientôt, j'ai envie de regarder des vidéos. Ah oui, mon tatouage! Je sais, j'ai mon poteau, il m'a demandé mon tatouage en vidéo, mon pote. Ah, regarde, Flo. Parce que tu vois bien mon tatouage, attends, attends. Là. Là, tu vois bien mon tatouage, Flo. Voilà. Et Tom m'a marqué comme d'habitude sur la vidéo, je suis vraiment content, merci beaucoup Jean. D'ailleurs, comme marqué les commentaires, eh bien, si vous voyez que je réponds pas aux commentaires, c'est pas grave. D'ailleurs, je dis tout aux commentaires.
Mais des fois, c'est vrai, des fois, je suis pas trop de temps, donc je peux pas répondre à tout le monde. Mais je réponds à tout le monde dans le pire des cas, parce que même si c'est pas le jour même où vous avez un commentaire, vous inquiétez pas, genre, je réponds à tous les commentaires. Mais pas quand j'ai de temps, en fait, parce que quand j'ai pas de temps, bah, je peux répondre à tout, moi. Mais je vais essayer de trouver le temps pour répondre à tous vos commentaires, parce que, bah, vous le méritez, voilà, quoi. Donc voilà, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà, quoi. Tu vois, là. Tu vois, voilà, quoi. Non, ouais, donc voilà, si vous regardez le portrait de Saman et le portrait de Sarla, bah, n'hésitez pas à le mettre, hein. Il est sur YouTube, disponible en entier. Enfin, tous les épisodes sont disponibles en entier, voilà. Donc voilà. Moi, j'ai là, sur le deuxième épisode. Ça fait 30 ans que j'ai regardé ça, je me rappelle plus de ça, en fait, du tout. Surtout avec Charlotte. Elle est trop mignonne, Charlotte, j'adore cette fille, elle est trop mignonne. Elle est trop sympa, elle est trop attrayante, déjà, enfin. C'est pas le but d'être attrayant, genre, ne soyez pas attrayant avec vos enfants, parce que voilà, c'est. Ne soyez pas insolent avec vos parents, parce que voilà. Ils vous ont mis au monde! C'est quand même c'est quand même une sorte de, vous pouvez les respecter. Comme un remerciement de, un remerciement, putain, un remerciement de vous avoir mis au monde. Moi, personnellement, mes parents, ouais, je suis pas soin, enfin, quand j'étais petit, ouais, ça, j'étais un peu insolent avec ma mère et mon père, mais là, maintenant, bah, je suis plus du tout insolent parce que, bah, voilà, maintenant, voilà, quoi. Donc, si vous regardez les portraits de Savagne et de Santara, bah, n'hésitez pas à mettre sur YouTube, c'est disponible, voilà. Mais je pense que je préfère les portraits de Santara parce que, bah, j'ai vu aussi, mais, voilà, quoi. Donc, voilà, les gens. Bah, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires. Bah, j'ai pas en commentaire en vidéo, comme si tu veux. Et surtout, je compte sur vous, les gens. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos, pour avoir des putains de bonnes vidéos, pour des vidéos, pour des vidéos, pour des vidéos. Oh, non, t'es con. Allez. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Allez, pisse-moi, tiens, portez-vous bien!